frappé, pas au rassoin, sans qu'il m'a béchi. À mes frères africains, et d'être avec vous, mesdames et messieurs. Grand merci pour la fidélité renouvelée, la temple de la démocratie, Parlement populaire, émission Yababola. Grand merci na ba population, surtout ya mégapole, ya Kinshasa, Bozoami Bongo, sur l'ensemble de l'étendue nationale, Bokota Labisso, dans le reste des provinces de la République démocratique du Congo. Grand merci. Tokutani lisusu na troisième jour ya semaine, pour discuter, débattre autour des grandes questions politiques en RDC et sur la toile. Je crois que l'ensemble de la population est allé bongo mobilisé pour nakoye ba oyo nini et que les kanana tongo ya lelo nini tokosola pour na bongo to tonga mboka na biso Congo boko tala biso de partout. Merci na diaspora congolaise nyoso tout bozwami à l'étranger, bozwami awa na Kinshasa, ba msusu bazana ba vacances. Merci to démarrer plénière, il y a Mokolo, il y a Lelo. Parmi les matières retenues à l'ordre du jour, Baimbo Kaboko Talabiso, la grande bataille électorale du bureau définitif na Sénat, il y a des grandes figures de la scène politique congolaise au Bazali Bongoana. Et Bongo Lobby, il y a eu des échauffourées na temple de la démocratie, ba cassure de vitres, ba bureau mousso saccagé, tokolo ye ba bongo ba vérité tout au long de cette plénière. Tokolo bia lissousso etali bongo, poursuite, il y a instruction du dossier, toté affaire force du progrès, boye biete, ba prévenu, ba zawana, ba za ko attendre bango, ko auditionner bango, tokoye ba. Sengeli botika bongo justice, yamboka Congo, et ça la moussala na yango. Tokolobia lisusu na dernière partie ya émission affaire génocoste de Kisangani, tokolobile la bongo beaucoup plus angle ya organisation et puis indemnisation des victimes de guerre de ces jours. Des invités détail na tongo ya lelo pour débattre et discuter autour des questions politiques. Kosola na linga les ali likambo ya sonité parce que linga les ali parmi les quatre langues nationales ya mboka o ezali bongo ko symboliser identité culturelle individuelle et collective ata boni plateau peli moto milinge ko bima bobanga te na ko kamba bongo débat bazali bongo bana ya mboka na suka nango bakopesa na bongo mbote parce que makanisi na bango nde za ko aider les autorités compétentes ba ba bisika nini population ya mboka Congo tote Congo ezali bongo na topesie bongo maloba mwana mboka Eric Ndaya que je rappelle azali bongo au cadre ya lingomba politique FDC ya mwana mboka modeste bati lukwebo topesie mbote sika azali na bureau politique mobimba une fois de plus élu du peuple bienvenue au temple de la démocratie. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci Nayon Deko Eric Ozali devant de milliers de Congolais basui opportunité en or. Yakuta Labiso Natongo Alelo Boni Boni état de santé politique, ya union sacré, et puis il y a autorité morale, mwanamboka modeste bati lukwebo. Chez Bisson na FDC, ma mnyo sa bien, kimi ezali. Sauf que moi ba inquiétude mouke ezalaki. Mais FDC mi agitakate, yomoko yebi. Tout ça calme. Union sacrée, ils ont très bien. Vous m'excuserez. Oui, on accepte parce que nous savons que le chef de l'État reviendra à sa raison plus tard. Parce que FDC a occupé deuxième force politique, vous le savez. Malgré Bakuba Oyozoleka, mais nous savons que le chef de l'État, c'est le garant des institutions. Il est capable de se racheter par rapport à ça. Il est capable de se racheter par rapport à ça, Baimbo Kabo, Kotalabiso. Oyo azana bezwa benga ko benga te monsieur Zali en direct oko sala pe live sur Facebook bo benga te monsieur Zali en direct bo komela biso mituna na bino parce que sengeli to kende to procéder malembe 4 minutes ya temps d'antenne à chacun pour nato si li saba sujet otozana ona tongo alelo azongeli biso lisusu consultant maison mwana mboka Mike Isem. Je rappelle que azali bongo au cadre ya SID secrétaire national en charge ya sport ses loisirs, élu du peuple, une fois de plus, Boye Malam. Oui, merci beaucoup, Ndeko Richard Nawej, moi, na Mapinga. Merci, Nayo. Je m'appelle plus, na moi, c'est Onoana, et ça va bien.
merci naba téléspectateurs nous tous qui n'actu bazolanda bisu et puis au peuple congolais en général. Mais avant d'entrer n'ingara juste na lobake lokuta et akana sincère mais vérité et akana escalier pele le komi bino moko bolanda kilobi ndeko chilombo il a avoué, il est passé aux aveux, il a reconnu son illégitimité faute de preuves qui attestent sa victoire lors du simulacre électoral au Yoka Dima organisé la Libye en décembre dernier. Et puis, il est allé également pour dire que non, voilà, parce que quand nous passons ici, nous disons des choses, les gens pensent que non, tu as répondu au Sabavanti. Il est allé très loin pour même affirmer que non, Moïse Katoum donc, souffre de l'instabilité mentale qui est à la base de son inconstance politique. Donc, tous les cas qui t'ont expliqué, tout, qui traitait le président Martin Fayulu d'inconstant, mais lui-même, Chilombo, vous l'avez suivi hier, et il a même fait la classification, il a compris que non, voilà, de tous ces gens qu'il a parlé, il a commencé d'abord par le président lui, Martin Fayulu pour nous reconnaître même l'inconstance. En tout cas, Banamboka, bientôt là, comme on le dit, que non, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finira par apparaître. Merci. Merci Nayo Zalaki Maloba. Il y a introduction. Baimbo Kaboko Talabiso. Un débat détail, un débat d'idées, un débat républicain, un débat intelligent. Alors, tout bandit déjà pour procéder. Réalisation bo afficher les biso. Première thématique au Tozali Nayango, la grande bataille électorale du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Topesi Bongo Maloba une fois de plus. Et pas Yaman Amboka. Eric Ndaye. Ndeko Eric, le loto moni Ndeko Modeste Bati Lukwebo a conduisa ki Otobengi Bongo Sénat avec un politique managérial Naye Oya imposaki pour conduire les affaires à bien au sein de cette institution de la République. Mais le loto moni, chose étonnante, tu connais ça qui peut-être quoi qui couvrent d'année atikata jeunesse et soit au moins place de monier des sous à ses candidatures. Est-ce que Azali toujours n'a envie ou n'a y a quoi porter expertise naie toute expérience naie pour servir la population? Ok, merci messieurs les journalistes. Je pense que 4 minutes naie n'a l'obara pas tantôt français tantôt lingala. Non, ça dérange pas. Je suis pas trop lingalaphone. Ok, tout pour ça. Je voulais dire que le président Modeste Bahati, quand il fut président du Sénat, il a donné le meilleur pour soi-même. Il y a eu des choses qui se sont réglées automatiquement au niveau du Sénat. Malgré les gens de mauvaise langue, on va estimer, on va se diaboliser. Mais nous avons vu comment est-ce que mode de vie, il y a un agent au Sénat et changé qui. Même leurs émoluments, et Mataki Makasi. Alors, Lelo a dit qu'il faut Azonga. La chambre, il y a Sénat. La bureau, dirais-je. Et ça m'a bêté. Moi, j'encourage d'ailleurs. D'ailleurs, je l'encourage et je le félicite. Pourquoi? Parce que il y a toujours une représentation dans tous ces postes en question. C'est-à-dire, Modeste Bahati, selon la classe politique, c'est un poids lourd. Il pèse beaucoup. Alors, il ne pouvait pas rester sur les bancs afin que Batumissou se batte en qu'on postulait. Alors, il y a un autre soutenir, on soutient sa candidature, qu'il postule, et je sais qu'il va passer. Parce que c'est un homme incontournable, dirais-je. C'est-à-dire, ceux qui ont dit le long dans le Sénat, et ça, par rapport à représentativité, il y a un parti politique. Alors, nous, AFDC, on n'a pas croisé les bras. Dans une décision, il y a quoi accompagner autorité morale, Nabiso, Modeste Bahati Lukwebo. C'est pourquoi nous continuons toujours à dire à nos camarades, nos sénateurs qui sont au sein du Sénat, de les soutenir et de voter massivement pour lui. Deuxième question va passer à votre co-débatteur. On a attendu de présumer détournement. Est-ce que s'il faut justice en s'acquérir plus la question où il y a présumé détournement dans le Sénat, est-ce que c'est là le bureau bâti, le bureau d'âge? La question là de tournement, je pense que lui-même, l'autorité morale, il s'est prononcé sur ça. Moi, je me dis, connaissant Modeste Bahati, depuis qu'il a occupé des grandes fonctions dans ces pays, on ne l'a jamais cité dans des détournements. Mais aujourd'hui, il prend le Sénat qui était en déclin. Sénat, qu'est-ce qu'il déjà? C'est un déclin. Oui, c'est un déclin. À même là, on a un niveau moral très élevé. Dans ces pays, Bandimarate, Moutassa, Raboulam.
Le bienfait qu'il a eu à faire, c'est d'aider les agents du Sénat. Il a fait engager beaucoup de gens au Sénat. Mais après son départ, le bureau d'âge dit quoi? Il a détourné. Alors, nous avons dit quoi? Qu'on donne des pièces tangibles qui font preuve à un détournement. Alors, et donc, voilà, moi je me dis qu'on a toujours dit chez nous qui est son chien l'accuse de la rage. Très bien. On est en train d'accuser des Bahati auprès de ses détracteurs qui ne veulent pas de sa tête. C'est ça. Mais je vous dis qu'il est, il a des mains blanches parce que Bahati n'a jamais mis sa main dans une caisse de l'État. Vous connaissez bien ce qu'il est. Merci Nayomo Namboka pour ces analyses approfondies. Baimboka Tozali Bongo Kopusana. Sika Watukupe Sabongo Malobe Pa Yamo Namboka Mike Isem. Eko Mike, Touta Kibongo Kolanda. Oyunyos Otwe Le Kanaki Lor Ya élection, Ya primaire, Ya assemblée nationale. Mais les lots, comme il remarque, qu'on constate, tout est observé, on dirait, couleur en gros, Ezalaki na assemblée nationale. Ya mwana, ba, lingi ba présenter les populations na Sénat. Quel type d'homme na kati ya bureau, tout est na perchoir, ya Sénat, selon yo, parce que c'est la grande institution de la République aussi. Ouais, merci beaucoup. Une fois de plus, merci à notre débatteur Nangaï, Eric Ndala. Je crois que c'est la première fois que tu es à l'émission. Très bien. Mais j'ai eu à faire plusieurs émissions avec les communicateurs et Kichiswaka, que je salue aussi en passant. Nous sommes des Congolais, bien que vous êtes dans la Manchoire, nous on est dans la résistance pour défendre les intérêts du peuple. Je voudrais dire que non, l'élection du bureau du Sénat aujourd'hui, c'est un non-événement pour le peuple congolais. Parce que je peux lui poser la question, quelle est la part du peuple dans tout ça? Nous venons d'assister à un simulacre électoral. On est en train d'installer des institutions illégitimes. Lui-même, Tshilombo l'a reconnu hier. Est-ce qu'on doit continuer comme ça pendant qu'il y a l'insécurité à l'Est? Pendant que le social des Congolais n'est pas amélioré? Lui-même, il a reconnu qu'il est incapable même de pouvoir dédollariser les quoi, notre taux. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, voilà, ça, c'est juste les opportunistes qui sont là. Je ne vois personne, il n'y a aucun homme des qualités, d'intégrité que je vois au sein de l'Union Sacrée actuellement. Aujourd'hui, dans l'Union Sacrée, je vous avais dit dernièrement que non, Ezali, comment, machine à transformation. C'est-à-dire, même Ngade Nazab, sur la côte de l'Union Sacrée, même Yonde Konangamona Mapinga, Nazwe Bisayo, si tu étais compétent, tu vas te transformer dans une compétence. Donc, tu ne peux même pas t'imaginer, même les gens qui t'ont connu. Parce qu'ils ont un leadership faible qui est incarné par Tshilombo. Tshilombo lui-même, vous-même, vous savez très bien, on ne peut pas dire, parce que quand vous dites que non, voilà, Tshilombo est incompétent, pour certaines personnes, bah, monarocos, les assoyés, outrage, faux bruit, tout ça, mais les gens le savent très bien que non. Yo, connaissez mon devoir, Bahati, à côté de l'Union Sacrée pour Nani. C'est parce qu'il aime Tshilombo, non. C'est pour ses intérêts privés et personnels et pour sa famille. Il y a eu la grogne au sein de l'AFDC, Ndekonanga Yebi. Récemment, il y a eu l'élection, Ndekonabi, il y a eu Bélé, le gars, là-bas, Meda Kakolongo. Qui ont même accusé Bahati de faire l'apologie du tribalisme au sein de son parti. Bahati, pour moi, n'est pas un modèle. Tous ces gens-là de l'Union Sacrée, je ne vois personne qui est comme un modèle aujourd'hui. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, ils sont en train de se disputer du gâteau qu'ils ont volé. Il y a des frustrations au sein de l'Union Sacrée. Ils disent que non, voilà, il y a des forces politiques. Mais comment se fait-il que non, voilà, vous perdez le président Sassiani et l'Assemblée nationale? Dans le gouvernement, vous n'avez que six et deux ministères. C'est parce que dans la tête de Tshisekedi, il sait bien que non, voilà, pas politique, mais nous avons besoin de nous. Et où est-ce que nous avons une nomination au Ndekoka de ma Pesaki? Il est bien, très bien. Mais par contre, dans la télévision, nous sommes des forces politiques. En vertu de quoi? Quand on va leur demander, montrez-nous le procès verbal qui atteste que notre voilà, Bahati a été élu comme député national. C'est pour dire que non, pour nous, l'élection au bureau du perchoir et au Sénat, un Sénat bien sûr illégitime pour le peuple congolais, et ça un non-événement parce que ça ne va apporter rien. Et puis pour chiter par rapport à Bahati, Bahati il était président du Sénat. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme président du Sénat à voir au salaire à niveau ni? C'est-à-dire, tu vois, un peu sur le monde, on a dit voilà, Bahati, l'autre, comme gouverneur, comme bourgmestre, parce que pour Bahati, il fait la politique de son ventre et pour son intérêt. Donc, le peuple congolais n'est pas concerné dans ça. Très bien, merci Nayo. Son des cloches, il y a classe politique de la résistance.
elle Martin Fayulu Madidi Lamuka tozali bongo kopusa na bayimboka to kosola bongo pona totonga mboka na biso Congo to fes tozong sima lobe pa ya mwana mboka élu du peuple Eric Ndaya ndeko Eric toza la vraie devant population oyo akota la biso. Aujourd'hui, on voit Bahati Lukwebo accompagner le chef de l'État. Moi-même, j'étais parmi les reporters à Suraki aussi exclusivité lors Ezalaki la sortie de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs. Lors aussi, il y a lancement, il y a campagne. J'étais là au Stade des Martyrs avec Seigneur Patient Ngoyi pour couvrir ces différents événements. Moussa Lanyoso Toyo Ndeko Bahati Lukwebo sali derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 40 députés nationaux, si je ne m'abuse pas, 76 députés provinciaux, si je ne m'abuse pas, et puis beaucoup de conseillers municipaux, ceux qui communaux. Est-ce que beaucoup qui ont mérité qu'on soit des postes ministériels, bien que Boza n'a qu'à être union sacrée, beaucoup bien, on va être salabino, bakouba, mais bozo koka ko lobate bozo koka ko bimate ni nyango kangibino na kati ya union sacré er bozala kana kabila er au moment bomona ki mabe bobimaki mais ni nyango za ko retenir bino botika la toujours na mabe na malamu bozana université ya silence boko ndima ça va merci monsieur le journaliste très bien nazo pesa d'abord merci et pan de wonangai Mike Sem pour na analyse na mais je voulais dire ceci omoni bato ya décidé bango bamonaka eloko nyonso eza pembe pona bango eza mwindu. Oh, quand notre ami dit que na niveau ya bureau ya Sénat batu nyonso ba postuler wana c'est pour leurs intérêts, il n'y a pas l'intérêt de la population. Non, la population elle est là parce qu'on ne peut pas prendre la population, on prend toute la population, on la met au Sénat. Il y a toujours des gens qui représentent la population. Très bien. Moi, je travaille avec Modeste Bahati. Je ne suis pas de l'Est. Je suis du Kassai central. Modeste Bahati, autour de lui, ils ont rassemblé ben, et colonios. On m'a dit, est-ce que le président de la République a dit que Fayulu est en train de détester même les dernières élections. C'est-à-dire, pour Félix, il ne voit pas Fayulu comme un opposant. Un opposant musclé. Il a même détaillé, il a cité les noms des gens qui ne font pas face à l'opposition. Est-ce que Martin le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a douté que ça la main tendue et pas Yandeko Martin Fayulu par rapport à Yandeko Kanisela Yandeko Fayulu? Azomona, normalement il ne voit pas un opposant de taille. C'est pourquoi vous voyez. Il n'est pas un opposant de taille. Non, selon le président de la République, il a trouvé que l'opposition est très faible. Il n'y a que des bruits qui se font, mais l'opposition est très très faible. C'est pourquoi tu as vu qu'il a même félicité Mouzito et les autres pour leur manière, leur savoir-faire. Vous comprenez? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'AFDC, je vous ai dit l'autre fois que l'AFDC, c'est une grande école. C'est un parti qui est organisé, structuré d'une manière impossible. C'est pourquoi moi, je demande toujours au parti de Martin Fayulu décider de suivre l'exemple de l'AFDC. Quand vous regardez comment est-ce que Bahati est en train de faire les choses, vous allez comprendre que tout ce que les gens font là, ce sont des bruits de tralala. Les noms sont tombés dans les rats, tout le monde pense à Bilogo. Parce qu'on ne nous a pas donné les ministères comme il le fallait. Parce que, on aura perdu raison. Non, nous, vous avez le droit à revendiquer un poste. Nous avons revendiqué 10 députés nationaux qui vaut un poste ministériel. Nous avons revendiqué cela sur le plan très intellectuel. Pourquoi? Parce que vous savez que Bahati, c'est lui qui a formé l'Union Sacrée. Quand il a quitté le camp FCC, il a pris les risques de former l'Union Sacrée. Vous comprenez? Avec tous les risques, il a accompagné le chef de l'État pendant les moments les plus durs. Aujourd'hui, quand nous avons la majorité, il y a des gens que je ne vais pas citer ici qui ont fait des coups bas contre Modeste Bahati. Il y a eu même où on voulait même déboucher quelques députés, invalider quelques députés nationaux, afin que nous puissions perdre les poids politiques. C'est pour dire que ces élections qui vont se passer au Sénat, l'AFDC a une grande importance d'y participer et de placer Modeste Bahati comme deuxième vice-président. Parce que Modeste Bahati a encore les potentialités pour ce pays. Mon frère dit que Bahati est là pour son ventre. Non, moi je travaille avec l'AFDC. À l'AFDC,
Modeste Bahati ne regarde pas les couleurs ni les ethnies. Mamango Bazali, Mamango Bangala, tout le monde. Moi, je suis Moulouba. Ah, il est là de les idées. Moi, je suis au Kassai Central. Les idées n'est pas structuré, n'est pas organisé. Au Kassai Central, il peut me dire où est le bureau de l'ESIDE. Je connais le fédéral de l'ESIDE au Kassai Central, M. Kayeke. Il a un bureau dans la poche. Ah, mais je vous dis qu'il me donne l'adresse. Ici à Kinshasa, bon, je ne sais pas, je voyais les pancartes de l'ESIDE sur scène, je ne sais pas où. L'ESIDE n'est pas organisé. Bati Kamakele le Apamba. Très bien. Bahia, tout Sangana. To bâtir notre pays, on doit bâtir notre pays. On ne bâtit pas le pays en critiquant les autres, en faisant des problèmes, en criant non plus. Que Fayoul vient, tu sais qu'il vient, on se met à une table et on construit le pays. Merci Nayomo Namboka, Eric Ndaya, Tozali Bongo Kopusana, Tozong Sibongo Malobe Payandeko, Mike Issem, Namonaki Abandaki Konote, Ndeko Mike Issem, Kodebater Noa Lobby. Vous n'êtes pas représenté, bien implanté sur l'ensemble de l'étendue nationale. Alors, vous bien que maîtrisez Bongo Kassai bien, mais tout ce que la maloba est à Mokondi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a douté beaucoup plus que ça, la main tendue, et pas Yandeko Martin Fayoulou par rapport à l'état d'esprit déjà où il y a adopté. Est-ce que les loyaux pour Yandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a senti moins flexibilité là, vis-à-vis des Fayoulou et Sengel Nabino pour agir? Parce que le 30 juin, Martin Fayoulou, le commandant du peuple, avait lancé l'appel à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité territoriale. Oui, merci beaucoup Ndeko Richard Nawej, moi Mapinga. Merci bon, Nayo. Nazo comprendre Ndeko Eric Ndalate, il est très agité, mais na osengane azala vraiment serein parce que il y a des choses à se dire ici. Et ça n'a pas un jeune homme comme lui azo le kana télévision pour défendre Bahati qui a fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans toujours aux affaires et aujourd'hui c'est la famille Bahati lui-même qui s'enrichissent. Donc je pense que Batoyo ba longwe na AFDC ba ke iko ke ba parti na bango na oka yinde ko kismu ke ndiki a quitter parce que ba lekisa yi mwana ba ati na place na ye tout ça. On connaît comment ça se passe. Je ne sais même pas, peut-être aussi lui aussi il était candidat. Bon, candidat à la simulacre électoral, YP je crois il a subi le même sort. Les gens qui sont passés, ce sont les mêmes personnes choisies par Bahati et ce qu'on t'allie bien, je l'affirme, ce n'est pas moi, mais ce sont leurs proches parce que nazamu ta AFDC. Les arabato bazana AFDC ne mutu bazako akize leader na bango comme étant tribaliste parce qu'a favoriser plus bande connait ya nini ya est na pesu exemple à Medar Kakolong au paza mutu pe espace grand Kassai na pesu exemple ya Chris Mukendi, il est aussi de l'espace grand Kassai, il a créé un parti politique sur base de frustration dans sa tête, il ne pensait même pas qu'un jour il peut créer un parti politique. Mais ensuite Ozala qui bon ministre, il y a travail à Zabongo, il y a Congo central, je sais, je m'amuse. Non, j'aime madame, ça c'est juste des cas exceptionnels, des cas particuliers. Ok. Bato Bahuti Kunande Mutubabimisi, Magamounos. Mais Bati, bon, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis la Conférence nationale souveraine. C'est d'ailleurs Fayoulou qui l'a pris pour que Ayana FDD Oyazala qui président. Si Bati est devenu vice-président, il y a sous-commission finance, tout ça, c'est grâce à Fayoulou. Si Bati a été. Parce que Bati. Il y a un débauchage de l'OT. Depuis la CNS. C'est ça. Il y a tellement de matière que ça me fait très mal de voir un jeune comme lui défendre Bahati qui a déjà gagné sa vie et puis le Congo l'a tout donné. Okay. Aujourd'hui, Bahati ne peut pas exiger quelque chose à l'État congolais parce qu'il a tout. Bahati a été président du Ecomasta, c'est-à-dire Kester l'Assemblée nationale. Il a été plusieurs fois ministre, président du Sénat récemment ici. Mais aujourd'hui, Bahati commence encore à exiger à ce qu'il soit deuxième vice-président. Pourquoi ne pas prendre Ndeko Nanga Eric Ndala? C'est comme si na AFDC bazana batouté. Pourquoi la Bahati? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas votre secrétaire Chichela ou Naye Barekoutouté? Ndeko Guirich. Naye Biété. Pourquoi pas même à ce qui vice-président Nabilo Boche à ta place? Toujours Bahati. Poste, il faut que Bahati Zalawana. En tout cas, pour revenir à ce que vous dites là. La population ne se reconnaît pas en vous. Quand je parle de votre illégitimité qui a été confirmée par Tshilombo, bien sûr, dans son interview hier, c'est tout simplement parce que il a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas des éléments qui attestent que nous voilà Ndengazawana à l'égard qui n'a pas élection. Y compris Bahati et consorts. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous l'AFDC, demander, je ne sais pas, exiger des postes
Il y a union sacrée connaissant la réalité. Kabouya l'a dit que non, voilà, Batouming Bozomonawana, l'équipe a député la signature. Donc, ils ont procédé à la nomination. Soyez le nom de CP, Sabinote, tout ça. Regarde maintenant aujourd'hui, Dégué Katumbi, Bazar ou Emilie, tout c'est pas parce qu'il a accepté d'entrer dans cette forfaiture. Pour chuter, les CD, c'est le parti le mieux structuré. C'est le parti le mieux structuré, papa. Vous voyez que Mouzitu, à Tongaba, bah siège, même dans le village. Nakasa et Mouzi, toi, ça, la nouvelle élan, à ton. Et puis, il a acheté ça. Dans tous les territoires, vous allez trouver les partis de Mouzi et tout. Nouvelle élan. Mais ce sont des sièges qu'il a construits alors qu'il n'a pas de quoi de membres. Construire un siège dans un territoire ne signifie pas que non, vous avez la base. Mais Martin Fayoulou, comme il est là, au Kassai, lui, il le sait très bien. Moi, j'étais avec le président Martin Fayoulou à Kananga. Vous avez vu l'accueil. Donc, aujourd'hui, Martin Fayoulou, c'est un leader incontestable, incontournable. L'ESIDE a des membres partout. Même dans votre village, il y a des membres de l'ESIDE. Donc, le parti le mieux soutenu, c'est l'ESIDE. Et puis, à l'ESIDE, il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas le clientélisme. Prévenez que Fayoulou, il est du Grand Bandundu. C'est lui qui le suit. L'honorable Kassé, quoi. Il est de l'Est, moi qui vous parle, je suis de l'Équateur. Donc, chez nous, on tient compte de l'équilibre ethnique, tout ça. Donc, je ne sais pas, mon frère, parce qu'il a parlé de choses très importantes ici. Il a parlé de Mouzitu, de Félicité qui est papa. Tu l'as pas félicité Mouzitu et Moukwege, parce que ce sont des supplétifs de l'Union sacrée qu'on a envoyés dans l'opposition. Mouzitu n'est pas opposant. C'est pourquoi il les a félicités. Il a commencé par Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il a dit de Martin Fayoulou? Qui n'a jamais reconnu son élection. Parce que nous avons des éléments qui attestent que non, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un autre président qui a été élu. Merci. Nous, on a des preuves. Il faut appeler ça là-bas, preuve. Pour les quoi attester que non, voilà, Chilombo a obtenu 70%. Merci. Moi, j'en ai, si tu le veux, je peux te mettre dans ma voiture. Toki na faden, je te donne. Le procès verbal est à 62,11%. Neko Mike, merci. Okoya ko obligé biso to bima a na ba caméra bima a ti faden. Problème les atel. Vesti kanto ezavuna. C'est l'ambiance dans cette séance plénière temple de la démocratie. Merci. Na bana nyoso tu ya Gombe Royal batete la rompo sosimate partout lingua la bandalungua ma campagne partout na bosanité super lemba super bandeko babimisi bongo etando pona kolanda bongo le peuple d'abord tosongeli ndeko Eric wane zali bongo dernier tour avant de boucler cette thématique ndeko Eric au regard il y a tension qui règne actuellement au sein du parti présidentiel l'UDPS, est-ce que ça a impacté au sein de l'Union sacrée ou les amotuna liboso motuna libale zali tomoni ba candidat oyo bazal ba s'aligner déjà ko déposer ba candidature na bango Samalukondo na suivi tout récemment déclaration à Dani Banzalobi bango baza ko se confier beaucoup plus na déclaration na chef de l'État parce que tata Mokonzekolo alaka ki kende ko Samalukondo de sengeli bongo azwa bongo Sénat moni aussi le patriarche Jonas Mukamba qui revient en force pour na kuvanda toujours na perchoir wana est-ce que les loyo oyo ko ki ko remplacer bongo ndeko bati lukwebo et sengela la bongo n'a pas profil nini parce que bati lukwebo ce qui a peut-être présidenté à koki ko se retrouver peut-être premier vice-président toté deuxième vice-président ça va merci monsieur le journaliste merci ndegonangai c'est mazolobi qui n'a agité mais moi n'a c'est qui m'a cassé parce que il est déjà agité les gens de l'ECID sont toujours agités partout je passe bato ECID bato sera trop agité nous les gens de l'AFDC nous sommes sûrs de nous-mêmes et quand il parle de Médard Kankolongo, qu'il a été déçu. Et Chris Mukendi aussi. Et les autres. Hein. Mais je veux lui rappeler que Médard Kankolongo, c'est un administrateur dans une entreprise qui l'a recommandé. C'est pas de lui-même. Aujourd'hui, vous parlez que Bahati est tribal. Prenons l'OGFREM, qui dirige le DG de l'OGFREM et du Kassai Central. C'est William Kazumba. Vous comprenez? Regardez même les amis qui sont d'Équateur, les gens qui sont chez eux à l'Équateur d'ailleurs. Il y a des gens qui occupent des grandes fonctions dans des entreprises publiques. Qu'ils laissent d'accuser Bahati faussement. Ils disent que Bahati a un poids politique plus que Fayoulou. Il le sait très bien. Il y a aussi Patrick Makanga. Fayoulou, ce qui fait de Fayoulou, c'est le bruit. Il veut faire des bruits pour que les gens soient lisses dans... Et à ce moment-là, attention sur lui, excusez.
Mais normalement, Fayoulou ne représente rien. Alors, la tension qui est au sein de l'UDPS, c'est pourquoi j'ai toujours dit que l'AFDC, c'est le premier parti modèle pour toute la République démocratique du Congo. Tu ne verras jamais à l'AFDC un groupe de gens, des milices ou je ne sais pas quoi, entrer sur la rue, tabasser les gens, casser les biens publics, jamais. Chez nous, quand tu fais ça, on te sanctionne, on peut même te révoquer du parti. Je salue le CG, le secrétaire Kabouya là où il est. Je sais qu'il traverse un moment très difficile. Nous, les gens de l'AFDC, nous les soutenons et nous l'accompagnons dans cette grande lutte. Mais il doit redresser tous ces jeunes qui sont en train de vandaliser le bien public et faire honte au parti présidentiel. Ils doivent suivre l'exemple de l'AFDC, qui est un parti modèle, qui est rempli de grands professeurs d'université, des hommes très intellectuels. Quand nous faisons nos matinées politiques, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas des insultes. Parce que nous suivons l'ordre de celui qui est à la tête du parti, qui est modeste. Alors, candidat du Sénat, tout ça, tous ces gens-là qu'on a présentés, j'ai suivi le CG Kabouya qui dit que l'UDPS doit prendre la tête du Sénat parce que c'est la première force politique. Mais si cela a été logique, c'est-à-dire qu'il fallait l'AFDC puisse prendre aussi le premier vice-président du Sénat. Mais pourquoi on a donné à l'AFDC deuxième vice-présidence? Vous comprenez? Il y a à boire et à manger dans ça. Moi, je n'aime pas entrer dans leur débat inutile là, parce que quand vous regardez bien, chacun veut se positionner. Mais Sam Lukonda, il va faire quoi là? Il était premier ministre dans ce pays, qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il s'est dit qu'il est de la famille politique, du président de la République, son parti, tout ça, tout ça. Non, moi je ne vois pas Sam être capable de diriger le Sénat. Aujourd'hui, les gens, je trouve au Sénat des petits garçons de 30 ans, 40 ans. La définition d'un sénateur, c'est qui? Un sénateur, c'est quelqu'un sage. Les gens qui ont travaillé, qui entrent au Sénat avec une sagesse pour donner un plus dans une République. Mais aujourd'hui, allez-y au Sénat. Vous allez trouver même les gens de 30 ans. Est-ce que le Sénat en gros, est bébito et ça coquende vers son apogée aussi? Non, Sénat est la norme, classe. Parce qu'un sénateur, c'est un sage, c'est un savant. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes. Un jeune qui n'a jamais travaillé dans une entreprise publique, qui n'a jamais dirigé même un quartier. Mais soudainement, il devient un sénateur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. On accepte, mais on dit qu'un jour, ça va changer. C'est pourquoi on a dit, au bureau du Sénat, nous devons mettre des gens qui sont sages. Très bien. Là, nous avons pris Bahati. Nous avons pris celui qui est en train de postuler comme membre de l'UDPS et les autres. Mais nous, c'est Modeste Bahati, parce qu'il en a de l'expérience. C'est pourquoi je dirais à mon frère de décider de louer quand ça va bien. Quand ça va mal, il faut dire. Mais eux ne louent jamais. Eux ne voient que de mal en mal. Et c'est pourquoi les idées n'ont pas un poids politique. Merci, merci, merci Nayo. Moi, Namboka, Eric, tous les si bongo malobe pa yandeko. Bandeko bobengate, monsieur Ezali Bongo en direct. Oza ko souhaite otinda. Oza na di kamboa koloba. Koma juste motuna nayo. Ba mitune ye awa ebele. Mais Ezali na mwango nga mouke na koki kotanga yangondeko. Mike Isem. Balobi et Sengeli Mboke Zalanaba institution stable, les loyaux ata au koki kobo yanayo, Sénat yango ezali illégitime, mais batu oyo baye au moins kotsa ba candidature na bango. Parce que bango ne moutou ba ko compétir ensemble. Na batu wana nyo surtout. Moutou ya malonga zali te seloyo. Oui, merci beaucoup Ndeko Isha Nawej. Bon, nazo comprendre te soki Ndeko Nangai, Eric Ndalaza ko comprendre ngai. Parce que évitons de faire le théâtre sur les plateaux, mon frère. Quand vous parlez du poids politique de Bahati, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux députés ou bien au nombre de sénateurs qu'on vous a donné par Kadima lors du simulacre électoral? C'est ça peut-être? Je ne sais pas. En vertu de quoi tu parles du quoi du poids politique, de comparer le président Louis Martin Fayoul avec Bahati, alors que même votre leader, votre chef de file de l'Union Sacrée, M. Félix Antoine, n'a même pas le poids politique de quoi du président Martin Fayoul. C'est comparer la lumière et la nuit. Il ne faut plus faire ces débats-là. Même le peuple qui nous suit, en tout cas, Bazo Bate, mais Moutoua Ouitoua, puis qu'est-ce qu'il vient dire ici? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec notre monde en Moka, Nani, Eric Ndala? Il ne faut plus oser de le dire. Parce que là, ok, il bande, Bazo Papa, en tout cas, Tika Babilo Rosolo Bahana.
Donc il faut avoir Bimoy Bisangai, le poids politique dont il fait allusion, qui est Bahati. Azan en plus que le président lui Martin Fayulu, opé sabiso ba élément nango. Parce que tu es un intellectuel, il faut le prouver. Ngana Rebiso note voilà, Bahati comme il est là depuis qu'il est né, il n'a jamais compéti aux élections présidentielles. N'est-ce pas? Il a été toujours député national, soit provincial, soit ministre, tout ça. Et il a été toujours derrière les gens. Depuis Saint-Cesse, il a été derrière le président Martin Fayulu, il était derrière Joseph Kabila, aujourd'hui il est derrière Félix Tshisekedi. Et Bahati dans ses rêves, il n'imagine même pas qu'un jour il peut diriger ce pays. Donc déjà en 2028, Bahati n'a pas ces ambitions-là. Voilà pourquoi au moins il commence à faire les rétropédalages. À ce moment-là, il y a une place de Mobo. Il y a un continuer. Il y a un bon Yamboka. Ça, c'est un faux débat. Il n'y a pas de politique. Il y a un rappel, vraiment, en tout cas, Zonga Mpen a raison. Mon frère, pourquoi je ne veux pas commenter sur l'élection du bureau du Sénat? Parce que les peuples congolais gagnent quoi dans ça? Les peuples souffrent aujourd'hui. Je ne sais pas, mon frère, si vous mangez trois fois par jour, mais moi, je peux te dire que non, voilà, la population congolaise, aujourd'hui, va comme on est dans le délestage. Peut-être que vous avez bien passé aux années mangeoires. Demandez-nous qui venons dans la cité. Nous vivons avec ce peuple-là. Peut-être que vous avez bien nous rappeler, vous allez rater la cité. Moi, ils allaient rater la cité. Les peuples ne mangent pas. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne se sont pas bien rémunérés. Les policiers, le militaire, Yosamon Mapinga, Ozawana, vous avez bien très bien. Mais aujourd'hui, moi, tu passes à la télévision. Combien Bahati était là au Sénat, est-ce qu'il a même fait une proposition Oyo Eza quand même quoi apporter une solution il y a social congolais, rien du tout. À Salaki agriculture, à Salaki Yango. Naebi Sayo, Bahati n'a pas apporté de solution. Donc aujourd'hui, ce Sénat-là ne sera qu'une caisse de résonance. Aujourd'hui, on a constaté il y a un malaise. Aussi, c'est l'union sacrée lorsqu'ils s'attaquent dans Samaloukonde. Mais Samaloukonde, Bahati, ils sont tous dans les présidiums. Ils sont membres de l'union sacrée. C'est pour te dire que non, aujourd'hui, dans la 4e union sacrée, il y a des frustrations. L'union sacrée est au bord de l'éclatement, au bord de l'implosion. Bientôt là, on a dit que tu sois gandé, on a bango. Vous ne pouvez pas faire l'opposition en état dans le pouvoir. Il a condamné que non, voilà, Tshisekedi a une leadership faible. Oui. Mais si vous constatez que non, Moutana, c'est ça, la leadership faible, parce qu'il n'arrive pas à sanctionner. Mais il faut quitter. Et quand vous allez nous rejoindre dans la résistance, ne venez pas dire que non, voilà, t'es parce que Bato, bah, y'a bien résistance, bah, Zali, Tola, Zabino, Zela, tout ça. Parce que bientôt. Toi, y'a pas bah, frère, Nabiso. Je sais que vous êtes enrichi. Vous êtes enrichi parce que vous avez dilapidé l'argent du trésor public et vous n'avez pas servi le peuple congolais. Là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, l'union sacrée de Nawej, je vous l'ai dit, mon élection au Salam à la Soguinani, soit dans le Sénat. Même Bahati Wana a relégué. Ce Bahati a quitté l'AFDC. Va quitter parce qu'ils sont déjà à la porte des sorties. Je vous dis, Rolekate. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est en train de dicter la loi. Et eux, les alliés de l'UDPS, ils ne veulent pas s'attaquer à l'UDPS. Ils le savent très bien. Très bien. La réalité, c'est ça. Très bien. L'UDPS veut s'accaparer de tout. Au détriment de soi-disant, c'est quoi? C'est proche. Bahati, il risque de ne pas passer. Parce que les bio passent bien entre l'AFD et comment l'UDPS et l'UNC. Ils ont aligné un candidat de taille au même poste que Bahati, Eustache Mouanzi. Et ce monsieur-là est soutenu par l'UDPS. Mais Eustache Mouanzi, c'est de l'UNC. C'est ça, non, je t'ai dit que l'UNC avec l'UDPS, pour résoudre le Gitoko. Mais AFDES même avec les combattants, Balini sous Bahati. Très bien. Monsieur Balini, tu n'as pas le merci. Venez à la résistance, défendons le peuple. Merci. Merci, Nayo, mon amour. Isem depuis ali bongo ko pusa na natongo ya lelo na ko pesa malobe pai na zozongi sa malobe pai ndeko Eric ndeko Eric bien que ko sala bongo to l'étage ya ba allégation ya mwana mboka Mike Isem 5 minutes ya temps d'antenne si ko to ko changer chapitre to aborder maintenant bo afficher les biso deuxième thématique instruction du dossier ya ba force du progrès bien que ko zongi la yangwana mais ozali na 5 minutes na yo yeba ndere nini ko kiko gérer yango. Alors, moi, je suis Eric Ndaya. Les gens, moi, je suis à l'objet, porte les alliés grandement ouvertes pour nous accueillir la résistance. Ce qui, comme on a, ma belle équipe, bon salaté, bon milaté, dans l'université, à silence, bon se manifester,
bo bavé comment la peur bo longwana bino nakati ya comment ya ignore sacré. Est-ce que les loyaux beaucoup souhaitaient que à l'allure où vont les choses beaucoup qui peut qu'on se retrouver aussi dans l'opposition tout est dans la résistance. Merci monsieur Nawej. Ndegonangai azokamusanga makasi. Akamusio. Ouais. Quand il parle du poids politique que Martin Fayoul a un poids politique plus que Modeste Bahati. Je ne sais pas lui entend par poids politique quoi. Poids politique pour lui c'est quand Fayoul a postulé comme candidat à la présidence. Prenons l'exemple de mon frère que je salue en passant les ministres de justice. Constant Mutamba, un jeune très courageux qui a postulé comme président, candidat à la présidence, excusez-moi les lapsus. Est-ce qu'il a un poids politique plus que Bahati parce que lui a postulé comme candidat à la présidence? Non. On regarde le poids politique par rapport aux revenus que vous amenez ou bien les tonus que vous apportez dans la vie sociale. C'est comme un bilan dans une entreprise. L'actif. Aujourd'hui, les gens de la cité n'ont même pas un député. Pardon? Ils n'ont même pas un député. Fayoul les a rendus malheureux. Il a demandé à tout le monde de retirer leur candidat, de ne plus même postuler. Je me rappelle la législature passée. Fayoul était l'unique candidat, l'unique député là à l'Assemblée nationale. Il est en train d'appauvrir nos frères. Au lieu que nos frères trouvent du travail pour servir la population, il prend ses frères, un jeune garçon comme mon frère Mike ici, qui entre dans une opposition sans force, en train de croupir, croyant qu'un jour, si Fayoul prend ce pays, Fayoul va changer ce pays non plus. Fayoul n'a pas de compétences pour diriger ce pays. Quand vous voyez Fayoul, c'est quelqu'un qui n'a pas de leadership. Si Fayoul a un leadership, il peut dire à la population kinoise, ou mieux faire décréter une journée de grève. Il verra les gens sur qu'il est sur la grande route. C'est pour dire que chacun doit se peser. Modeste Bahati a un grand poids politique. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de l'Assemblée nationale, il dit que non, il parle de qui? Le monsieur de la CENI. Il nous a octroyé des députés. Non, la CENI n'octroie jamais des députés. Ça, c'est ce qui passe dans vos têtes. Il y a eu élection et les gens se sont fait voter. Et aujourd'hui, l'AFDC occupe la deuxième force politique. Ça leur fait mal parce que nous sommes très forts. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller dans une opposition qui n'a pas de tête et de queue. Dans ce pays, il n'y a pas l'opposition. Je vous dis sincèrement, depuis que le président Félix dirige ce pays, qui est opposant dans ce pays? Qui résiste contre lui? Moïse Katumbi s'est levé ici pour faire l'opposition. Mais c'était un opposant farfuleux. C'est pour dire qu'il n'y a pas l'opposition. Et que mon frère doit comprendre que il doit lui-même être trop jeune. Il est trop jeune quand je le vois. Il peut avoir la chance d'avoir un bon travail. Que de suivre Martin Fayoul, qui va à son hôtel, il a un peu d'argent qui entre. Lui va rester chez Faden House avec Fayoul. Au moment où il peut entrer, travailler et construire pour ce beau pays. Parce que lui et moi, nous sommes des futurs présidents de demain. Nous sommes des futurs cadres de demain, des futurs DG de demain. Mais si lui reste dans une opposition sans tête, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Même sa femme va se moquer de lui. Je pense que je me suis... Merci Nayondeko. Eric, alors Tokota Onao et Talibongo, question et à force du progrès par rapport à Yandenge Evenema et Banda Kindenge Makambwele Kani, Tomoni aussi ma déclaration et à Maître Joël Kitenge qui s'est adressé à commissaire provincial Monamboka Blaise Kilimbalimba et puis à Kimi, à Kei Brazzaville et puis Kuna à partir à Brazzaville, à Sengiba, pardon, l'eau instruction à dossier, ils allaient se poursuivre pour na yo moutouzani na katia union sacrée au regard, y a ba acte wana nyo soto et les kanaki, ni nyo koki koloba. Pendant que Ndeko Azako répondre, ce qui beaucoup qui illustrer la kabiso, ba image wana y a instruction, y a dossier, tout pour ça là. Le Kamboya, bah ta force du progrès, le président de la République lui-même a regretté pour la attitude ou acte y a ba jeune wana. Malgré que le Kamboya force du progrès, ba misus ba lingi ba kote la le Kamboya wana, pour ba sa la buzz. Comme la femme de notre ancien
ancien président de la République, Mama Olive. Et nous, on est salibus comme si bah, toi, force du progrès, bah, qu'il n'y a qu'à vandaliser Ndakounaé. Si quoi, autant que le Kambo, on est en justice, on comprend que c'était des conflits, des parcelles. Merci à la réalisation. Vous comprenez. Alors, ce que moi je dis, l'UDPS doit se faire structurer. Il doit encadrer des gens. On n'encadre pas des délinquants dans un parti. On n'encadre pas des gens qui font honte au parti. C'est pourquoi je demande au CG de suivre l'exemple de l'AFDC. L'AFDC a beaucoup de jeunes. Mais vous ne verrez jamais ces jeunes-là aller sur la rue, aller vandaliser Bilo Abatou, Kobeta Abatou. Le nom a eu que Abatou a du progrès, comment il faut foutre ça Abatou, bon, on en zéla, Abatou, c'est tout ça. Bon, on a tiré la coucou, on a en zéla, on a été, mais je ne sais même pas comment les identifier, mais je sais qu'ils existent. Mais ce n'est pas bien pour un grand parti comme l'UDPS. Il ne faut pas suivre l'exemple de l'AFDC. On peut même le virer du parti. Parce qu'imaginez un monsieur, quand on demande à la justice, tu fais quoi? Tu fais quel travail? Combattant. Être combattant, ce n'est pas un travail. C'est que les gens se font du mal dans la tête. Mais Sengeli, c'est là où le parti politique aussi doit travailler. Formation au sein de vos formations. Si, c'est pourquoi je dis Baya Balanda Lokolo ya FDC. À l'AFDC, nous avons des matinées scientifiques où on nous donne des leçons de vie. Comment parler en public, comment faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, ce qui s'est dit, continuer, c'est un danger permanent pour la population à Kinshasa. Très bien. Merci Nayo Mwanamboka Ndeko. Eric, population Tozali Bongo Kopusana. Question Eza Eye Bele, Nakotanga quelques-unes. Après intervention à Mwanamboka, Mike Issem. Ndeko Mike. Dossier, il y a force du progrès, instruction du dossier de Gézali. Tout le monde aussi, ma déclaration à Mwanamboka, Joël Kitenge, à Salaki, mais de là où il se trouve, na Brazzaville, à Sengi, pardon, mais tout le monde est aussi sorti médiatique, il y a avocat, il y a commissaire Blaise Kilimbalimba, au Azabongo Kolobaye Tendeko, Joël Kitenge, Azali aussi parmi ma commanditaire, il y a acte posé par la force du progrès. Malobe Painao. Oui, merci beaucoup, Mwanamboka Richard Nawes. Moi, dans ma pinga, j'insiste encore très bien. Matondo. Moi, dans mon cas, Eric Ndala. Bon, je vais encore je vais encore répéter une fois de plus. Comparer le président Martin Fayulu avec Batu Lukwebo, c'est comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit. J'ai des jours et la nuit. Amour. Et puis, j'insiste encore. Il ne faut plus jamais répéter ça que Lukwebo à un point politique plus que le président Eli Martin Fayulu. Je lui ai demandé ici de montrer ça, de prouver. À démontrer en moi. Azoé Bisangaï, qui est non, voilà, parce qu'on a député dans l'Assemblée nationale. Il y a sublime électoral, et outil en décembre, une élection organisée pendant 7 jours. On en est tout. Vous étiez candidat, non? Aux joies qui? Aux 8 ans? Il y a eu beaucoup. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des gens comme des Chris Moukendi qui étaient. Qui t'a dit que j'étais candidat? Bon, je ne sais pas quand. Ok, ça va. Mais au moins, il y a des frustrations chez vous, dans l'AFDC. Non, il n'y a pas de frustration. Il y a des frustrations parce qu'il y a aujourd'hui Chris Moukendi qui a quitté l'AFDC et qui a fait des révélations sur Bahati. Aujourd'hui, Chris Moukendi, bien qu'il soutient Chilombo, mais il est toujours contre Bahati par rapport à l'apologie du tribalisme qu'il fait à l'Ijo ici. Bahati, c'est discipliné dans l'Assemblée nationale. Aïe, bisamiso, baza batawapi. Baza banani. Après, ça n'a réponse. C'est là où vous allez comprendre que voilà, il y a ce que l'on a dit, moi, si le soit, moi, on a eu soit. Mais à quoi ça la c'est pour te dire, pourquoi tu peux pas être connu que tu as eu premier suppléant à l'été. Aïe, bisanga, le deux suppléants à Bahati dans l'Assemblée nationale, baza banani. C'est pour comprendre que nous battons fait la politique pour les intérêts à Yemoko, à la famille. Naye. Maintenant, je voulais dire ceci. Ce n'est pas du fait que le président élu Martin Fayulu, qui est postulé à la présidence, n'est celui qui a un rapport politique plus que battu. Non, c'est parce que le président élu Martin Fayulu a bâti à pleine couture votre chef de file Chilombo en 2018. Il a bénéficié du suffrage du peuple congolais 62,11%. Nous avons les preuves. Mais on a dit après monsieur toi qui ne sont aux douter toi qui n'a pas dans relation banine procès verbaux ou ça quoi attester que non voilà le président du matin Fayulu a été élu par 62% il y a ba congolais. C'est à partir maintenant de là
Tu le présent Martin Fayulu, tu ne peux pas le comparer avec l'individu Bahati. C'est impossible, mon frère. Et ça l'a raté. Ça, c'est, là, il n'y a pas match. Que ce soit parti Nabino AFDC, na SID, il n'y a pas comparaison. L'implantation nationale. Na émission Baro Bazamakas, il y a aussi ma place, le coup la Mouzitu. Tu vas descendre dans un fief, dans un territoire où ils ont un siège, mais ils n'ont pas de militants. Bazamakas, c'est la mobilisation bateau. Et ils sont là seulement pour débaucher les gens. Confie au l'homme idéal, il y a un bon, il y a un FDC, il y a très bien. Bah oui, il y a un bon, il y a un bon, il y a un bon. Ne me compare plus jamais avec Fayulu. Donc, nous avons un dossier force du progrès. Aujourd'hui, UDPS nous a créé un monstre qui n'arrive pas à gérer, qui n'arrive pas à contrôler. L'UDPS nous a créé un monstre, force du progrès. Je vous avais dit récemment que non, force du progrès, tant où il y a Sphinx, perd son âme. Et Zalaka considéré comme étant un groupe de pression. Et la personne même qui gérait ça, c'était le président lui, Martin Fayulu. Ah ben, il gérait force du progrès. Il gérait la force du progrès. Ça, c'est le Makambokoloba. Je vous dis ce qui est vrai. Demandez à Bajoko Béabaroué, aujourd'hui, le président Martin Fayulu peut prendre sa jupe, à qui n'a eu de paix, soit Bajoko Béatouana, Moutorobamba, il banga au Zalaté. Mais ce Bata qui est qu'on a lapidé, Bavati était bien que Bazana Katia, Union Sacrée. Voilà, il y a des gens qui sont là, les transfuges du FCC au Bayer Sukoyo, parce que tu l'as pouvoir. Il y a la force du progrès, il y a le groupe de pression. Et la personne qui gérait ça, c'était le président du Martin Fayulu, qui a encadré, qui a formé, qui a géré tout ça. Bayer Kobima maintenant, na objectif, na bangoana. L'air sphinx à Koufi. Très bien. Bah transformer Bamwe pas à Kaboun na Kabouya comme une milice. Oh, Kabouya na Kaboun. Oui, ce sont eux qui ont transformé la force du progrès comme une milice. Bah comme ils ont recruté des gens qui n'ont même pas l'idéologie juste de l'UDPS. Bah comme ils ont recruté au sein de l'UDPS pour te reconstituer comme étant une milice, soi-disant il faut te protéger pour voir Nabisso. Suivez les allégations de Kaboun dans le passé. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes allégations tenues par, comment c'est dit, Kabouya. Bah, créer un monstre. Aujourd'hui, monstre, on a commis qu'on s'est retourné contre Bangomoko. Même si on n'arrive pas à maîtriser la force du progrès, il y a une crise au sein de l'UDPS. Et comme Sugo, c'est-à-dire les pro-Kabouya et les anti-Kabouya. Il y a moins un lobby au vivant qui est spectaculairement désolant dans le Parlement. Où on a violé les messieurs du palais du peuple. Où est Vital Kamere? Réalisation. Il est où? Illustration. Et la personne, les gens qui ont commis ces désordres-là, leurs commanditaires sont connus. Il y a même des commanditaires de ces groupes-là, des rebelles, des milices, étaient là présents. Aux hommes, la police a ça qu'on encadrait Mouto autour de ça, la désordre. On a vu, on a aperçu Jacobi avec un groupe de badauds en train de sortir, encadré par la police, au lieu de les arrêter. Trebiboué. Le président du Martin Fayulu l'avait dit. Si nous ne faisons pas attention avec cette milice, Mboranabi sera régressé, se transformer en Haïti. Parce que Mounamoudouzoura Olouga, c'est ça là, groupe né d'autodéfense. Et là, ça sera plus pur que ce qui se passe dans Haïti. Très bien. Yamana Nabi Boyekeno, papa, toi, ici, en fait, notre justice est malade. Oui, certes, la police est en train de faire son travail. Tu veux évoquer un négociateur, Joël Keating, qui a défié les forces de l'ordre. Mais on n'a pas vu la condamnation de la part de l'Union Sacrée, ni de Bahati. Bahati ne l'a pas condamné. C'est-à-dire que nous, voilà, ils sont d'accord aujourd'hui que la ministre des Forces du Progrès défie les forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'UDPS est devenu comme une institution suprême ou quoi, mon frère? Très bien, il fait payer les taxes. Il fait régler les conflits fonciers. Il est là pour s'en prendre aux individus et puis aux particuliers. Merci, Tonko. Dit qu'il nous aujourd'hui, Ndeko, Afinaï, Nananani, Eric Ndaï. L'UDPS est commis institution suprême ou bien c'est un fait privé. Merci, Nayo, Mwanamboka, Tosali Bongo Kopusa, na Makolo Nanzela. Mbote nabino le peuple d'abord, tozota labino na kanluka débat détail, to lingi yango bandeko bazo réfléchir bien que ba divergence ezali. Mbote mwana ya mapinga nazota labino na idiofa, nde kwatie kombote atie pe na motuna te. Mbote mwana ya mapinga ndeko ya AFDC azo défendre bati malamu me likambu ya il y a ba présumé détournement l'état congolais justice à sala musala na ye mbote ndeko na wesh yebisa ndeko ya SID ke
Martin Fayulu a kozala lisusu candidat na 2028 to alembi na ye. Je crois na kotanga ba message nyoso tout est à kozwa bongo maloba a koloba. Mwana mboka Eric Ndaye, population a kotala biso d'ici et d'ailleurs, comment lutter contre ces phénomènes na kati na mboka force du progrès. Lors il y a démantèlement, il y a par le général Blaise Kilimbalimba na Gramalik, population Oyo, la population habitant les coins a sali même ba témoignage à l'obi force du progrès, a comment même qu'on menacer la police, police au hasard on a pour combattre la bien la population, n'a qu'à assurer sécurité à ba paisibles citoyens. Où allons-nous? Est-ce que l'État congolais a ça coexister? Où est l'autorité de l'État? Ok, merci. Monsieur le journaliste. Merci Nayo. Nazo banda d'abord na likambo oyo ndeko na nga lobi ya Chris Mukendi. Très bien. A lobi que Chris azo critiquer Modeste Bahati. Il doit comprendre que na ndaku oyo bato ba botami ebele papa asombela ka mwana nyonso elamba le même jour. Il y a toujours une programmation des choses. Très bien. L'AFDC c'est une grande machine. Il n'y a pas qu'un seul individu qui doit se retrouver. Il y a plusieurs personnes et plusieurs personnalités à l'AFDC. Alors, si lui, Chris Mukendi, a quitté l'AFDC, ça ne nous dit rien. Ce n'était qu'une goutte d'eau dans une mer. Comment lui veut que lui, seulement lui? Non. Bahati, Dieu lui a donné une sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de voir qui peut faire mieux, qui peut servir la population. On n'a pas besoin des gens à l'AFDC qui viennent empocher l'argent pour servir leur ventre non plus. Alors si mon ami Chris, mon camarade est parti, son problème, parce que je vous ai dit au début ici qui est son chien l'accuse de la rage. Nous awa jour où tu peux bon au salaire ma bé à robot ça n'a pas été bon à bando film on en zéla mais au moni bateau au matin Fayulu bateau décidé quand Fayulu part je sais qu'il dit bakoutani sima. Sera azumwa eloko, aroye bisaye. Aroye bisaye te. C'est faux. Azumwa eloko. Eloko. C'est faux. Azumwa enveloppe. Aroye bisaye te. C'est faux. Arotoumou la poche. C'est faux. La politique que vous voyez ici, elle est dynamique. A mon attente que Fayulu est très constant et que lui ne coopère pas avec le chef de l'État, c'est faux. Jamais. Il coopère. Je me rappelle, il y a un temps où même on a vu Fayulu aller à Kingakati. Ça fait des tollés ici. C'est comme Martin Fayulu. Si, tu as à Kingakati. Si, vous n'avez pas suivi ça. Ce sont des fausses allégations. Ça fait des tollés sur la ville de Kinshasa. Ce sont des fausses allégations. Alors, il faut comprendre que il n'y a pas l'opposition pour le moment. Très bien. L'opposition sera là quand Fayulu, Mouzito, Katumbi, tous ces gens-là se mettent ensemble. Ils forment une force, c'est quand on sentira l'opposition. C'est pourquoi le président Tshisekedi est libre. Parce que tu as l'impression que quand l'UDP était à l'opposition, Kabila va nous repérer matin. Mais l'autre, tu sais qu'il y a permis parce que l'opposition est faible. Fayulu, vous avez un peu de matin dans Zéla, vous avez un peu de temps à gaz lacrymogène, vous avez un peu de temps passer. À ce moment-là, l'opposition est faible. Alors, par rapport, il y a force du progrès, mon frère. Bah, jeune Wana, c'est ce que mon frère Mike venait de dire. Et ça, Batmogo. C'est d'abord révoquer les gens qui ne sont pas dans la vision de l'UDPS. Très bien. Identifier chaque membre de l'UDPS. Qui est membre de l'UDPS? C'est celui qui a une adhésion officielle et une carte de membre. C'est celui qu'on appelle membre. Très bien. Je me dis, si on fouillait tous ces gens qu'on a arrêtés là, que chacun montre sa carte. Peut-être que M. Soubazan n'a pas. Ça déjà matière et pas parce qu'il y a une section à dossier. M. Soubazan n'a pas. Pas contrôler ma carte. Pas sa carte. Parce que l'homme va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Non, ça ne se fait nulle part. Dans un pays des droits, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Parce que vous êtes la partie présidentielle. Non. Très bien. Vraiment, ils ont commis une grosse bêtise. Même le chef de l'État, là où il est, n'est pas content. Même Kabou et Mora, c'est pas lutter parce qu'ils ont s'arrêter Sony. Il y a parti politique là-bas. Alors, pour la Rossi Lissayango, on doit normalement restructurer Batouana. Très bien. Oui, Azokoka a mis adhéré. Bah, si, bah, éducation,
On les chasse du parti. Merci Nayondeko, Eric Ndaye, j'ai coupé si bon matière parce que le dossier est allé bon en instruction. Moi, dans mon cas, Mike Issem, je crois un débat intelligent, un débat d'idées. Je crois qu'il n'a pas besoin de sens d'abîmer la disponibilité très prochainement. Même une minute. Quel jour? Une minute. En tout cas, Ndeko, Eric Ndaye, donc, on est venu sur des fausses allégations sur le président du matin. Le président Martin Fayulu n'a jamais rencontré Tshisekedi, dit il ne connaît même pas la maison de Kabila, il n'a jamais salué Kabila. Donc ce sont des fausses allégations. Ce qui bino bolia gana Tshisekedi batutu ba yebi yango. Nous ne faisons pas la politique pour s'enrichir comme vous. Non, tu es jeune, tout ça, il faut le temps à la fin. Non, nous, on est en train de combattre pour le bien-être du Congo. Au contraire, vous, vous êtes là pour votre intérêt, pour l'intérêt de ta femme, de tes enfants, de ta famille. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, nous défendons la patrie. Nous défendons les intérêts du peuple. Est-ce qu'il faut passer toute ma jeunesse pour défendre le bien-être du peuple congolais? Je le ferai. Pour mettre fin au phénomène force du progrès, c'est question de mettre hors d'état de nuire ces régimes des usurpateurs, des frappeurs. Merci. Qui sont venus par la volonté de la machine à voter. Merci. Bientôt là, on va vous mettre hors d'état de nuire. Merci. Et vous allez revenir encore. Président Fayulu, je veux que vous soyez avec nous. Merci. Merci, je vous remercie. Merci, Bandeko Tokutani Bongo Lelo, na 0h30 pour la rediffusion de cette émission. Bokomo na Bango, très prochainement, Tokozoa Sens na Bango, la disponibilité. Merci na des milliers de Congolais, Bozaki Liboso et Tandopo na Kolanda. Le peuple d'abord, Matondo Nabino. Si vous avez une émission,